famille, j'espère que vous allez bien. Chez moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis de retour après mon accouchement. Aujourd'hui, une recette très simple de l'omelette avec des courgettes frittata di zucchine. Les courgettes, j'ai lavé avec du bicarbonate. Maintenant, je divise en deux. Je les découpe comme ça. Donc, je vais utiliser 4 œufs pour 3 courgettes. Donc, j'ai fini de découper. Donc, likez, commentez, partagez. Et merci à tous. À part, je vais casser les 4 œufs dans un récipient. Maintenant, je vais battre pour incorporer de l'air aux œufs. Après, j'ajoute un peu de sel, un peu de poivre noir moulu. Et voilà, j'ai les ingrédients prêts. On passe à la cuisson. Dans une poêle, j'ai mis les courgettes découpées, un peu d'huile d'olive ou huile végétale, ce que vous avez, ce que vous utilisez. Je vais laisser bien dorer les courgettes. J'adore les courgettes. Après, je viens ajouter du bouillon végétal ou du sel selon votre goût, au plaisir. Maintenant, je verse les œufs battus. Donc, je vais laisser bien cuire. En bas, c'est presque bien cuit. Après, je vais tourner pour faire cuire la partie d'en haut. Donc, j'ai couvert, j'ai laissé au moins 5 minutes à feu doux. Après, pour retourner, j'utilise une assiette. La technique, je retourne, je laisse ça dans l'assiette. Après, je réglisse dans la poêle. Et je laisse cuire au moins 3 minutes, ça ne va plus prendre trop de temps. Et mes omelettes sont prêtes. Et hop, ça, j'ai retourné dans l'assiette. Et je vais découper à mon pizza. Donc, je découpe ça comme ça. Oh là là, trop bon. Donc, une recette très simple, très facile, très léger, parce que je n'ai pas utilisé de fromage. C'est les œufs et les courgettes, plein de courgettes. J'ai utilisé 3 courgettes pour 4 œufs. Donc, c'est tout. J'ai goûté pour vous. Donc, à la prochaine. Satemi bene. Ciao, ciao. Ciao à toutes.